On les a tous connus, ces petits vers qui sentent bon l'enfance. Je préfère manger à la cantine. Ils étaient sur la table de la cantine. Ces gobelets avec le numéro au fond. Ils sont passés entre les mains de générations d'écoliers. Ils réapparaissent aujourd'hui dans les restaurants à la mode. On regardait l'âge au fond, enfin le petit chiffre. Et on se disait, oh, moi j'ai 22 ans. Et on allait, celui qui avait le chiffre le plus haut, aller chercher le brodo. Voilà. Ah, ce fameux jeu auquel nous avons tous joué. 15. 24. On a un peu plus de mal qu'à l'époque, hein, quand même. À l'époque, le plus vieux était de corvée d'eau. Aujourd'hui, le gage, c'est l'addition. On croyait ce bon vieux ver français condamné à rester dans nos souvenirs. Mais en réalité, il vit un destin incassable. Ce ver, c'est le symbole rêvé de l'industrie française, capable de résister à la mondialisation et qui a réussi à se relever d'une faillite. Aujourd'hui, il joue les stars hollywoodiennes. James Bond y boit son whisky, Kate Blanchett son jean et les héros de Gangs of New York leur rhum flambé. La marque Duralex encaisse les coups et rebondit toujours. En ce moment, sa vaisselle rayonne sur les tables du monde entier, même les plus inattendues. Kaboul, en Afghanistan. Dans ce pays en guerre, le thé est la boisson favorite de la population. Et pour le boire, les Afghans plébiscitent le Made in France, une tasse Duralex. Ici, du plus pauvre au plus riche, on ne jure que par cette vaisselle solide et aussi synonyme de luxe. En plein cœur de la ville, le fastueux hall des mariages a des faux airs de Las Vegas. Les plus hauts dignitaires du pays y viennent pour faire la fête. Ce soir-là, ces deux amis en costume gris célèbrent leur mariage en même temps. Et ils ont vu les choses en grand. Près de 1000 convives, tous des hommes comme le veut la coutume. Un groupe de musique pour assurer l'ambiance. Et à table, de la nourriture à profusion, servie comme il se doit dans de la vaisselle Duralex. Duralex, pour la jeune afghane, c'est connaissé Duralex. Ça se très bien fabrique de français. Et comme un gage d'authenticité de ce Made in France, les étiquettes sont même laissées sur les assiettes. Pour moi, c'est la seule vaisselle de luxe présente sur le marché afghan. Et la plupart des gens pensent comme moi. Si en salle, c'est l'esthétique de l'assiette qui prime, en cuisine, cette vaisselle est appréciée surtout pour sa robustesse. Parfois, on empile les plats et les assiettes, 20 ou 30 comme ça. Et il faut que ça soit résistant. Il ne faut surtout pas que ça casse. Aujourd'hui, aux côtés des canettes du géant mondial Coca-Cola, la vaisselle Made in France inonde le marché afghan. Et ici, Monsieur Duralex, c'est Zahir Meskiniar. L'homme d'affaires, toujours sous escorte armée, est l'un des plus gros clients au monde de l'entreprise française. Chaque année, il achète pour le compte de son entreprise d'importation pour près de 4 millions d'euros de vaisselle. Ce jour-là, il reçoit un conteneur venu de France. Allez, dépêchez-vous, il faut se mettre au travail, appelle tout le monde. Cette marchandise a beaucoup voyagé. D'abord en bateau jusqu'à Dubaï, puis dans un autre bateau jusqu'au Pakistan, et enfin en camion jusqu'à Kaboul. 2 mois de trajet et de nombreux chargements et déchargements pas toujours très précautionneux. Alors la vaisselle Duralex a beau avoir la réputation d'être solide, à l'arrivée, il y a quand même un peu de casse.
Oh, il faut faire attention quand ils transportent la marchandise. Il y a de la casse parce qu'à Dubaï, les employés ne font pas attention. Ils entassent la marchandise n'importe comment. Malgré ces aléas, les affaires de M. Meskignard se portent très bien. Dans le pays, il est considéré comme le roi de la vaisselle. C'est moi le propriétaire de tout ce bâtiment. Tout ça, c'est à moi. 7 étages. Ici, on ne vend que des verres, des assiettes et des plats. Il y a environ 350 boutiques. Et dans ces boutiques qu'il loue à des commerçants, M. Meskignard a évidemment placé ses produits Duralex. Et en plus de ses revendeurs, il possède lui aussi un magasin exclusivement dédié à la vaisselle française. Ça, ce sont des saladiers. On mange les œufs dedans. Il y a cette taille et cette autre taille. En tout, il a près de 200 références. Et pour le thé, vous vendez quoi? Ça, ça marche bien. Et puis ce modèle-là aussi. Mais ce qui se vend le plus depuis 20 ans, c'est ce verre, ce modèle, la même taille. Et dire que cette vaisselle a vu le jour chez nous, il y a maintenant 70 ans. L'histoire de cette marque commence en 1945. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France doit se relever. Les familles sont rationnées et doivent se rééquiper. C'est dans ce contexte de privation que le grand spécialiste français du verre industriel Saint-Gobain décide de créer de la vaisselle ultra solide. Il s'inspire de la technique des pare-brises de voiture. La vaisselle en verre transparent Duralex est née. L'enseigne fait sensation quand elle décline toute sa collection au Salon des Arts Ménagers à Paris. Des plats, des assiettes aux formes nouvelles qui peuvent être mises entre toutes les mains, même les plus maladroites. Duralex. Pendant 70 ans, ses spots TV vendent son côté incassable. Ne s'ébrèche pas. Les familles françaises cherchent des produits qui durent dans le temps. Dans les verres Duralex coulent les jours heureux. Mais c'est dans les cantines d'école, équipées par Duralex depuis les années 50, que la marque imprègne des générations de petits Français. Une réputation bâti sur un secret industriel bien gardé. Pour le percer, il faut se rendre près d'Orléans, l'unique site de production au monde de Duralex, où travaillent aujourd'hui 250 personnes dans un vacarme assourdissant et une chaleur étouffante. Antoine Ioannidès est à la tête de l'entreprise depuis 2008. Avec Manuel, son responsable de fabrication, ils font partie des rares personnes à connaître la fameuse recette du verre super résistant. Et tout commence ici avec cette matière première, composée en grande partie de sable blanc, un des plus purs au monde. C'est un sable spécifique qui vient de fonder le feu. Ça, c'est votre recette, c'est la recette du verre Duralex en fait. C'est notre recette de base pour pouvoir faire du verre blanc avec d'autres ajouts. D'accord. Ça ne vous dit pas notre ajout. Si, mais on ne dit pas tout en détail. Mais le vrai coup de génie est ailleurs, dans le traitement du verre. Cette matière est d'abord chauffée à 1600 degrés dans ce four qui ne peut jamais s'arrêter, sinon le verre se fige à l'intérieur. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il crache ses petites boules de verre en fusion. Une fois dans les moules, elles sont pressées. Il en ressort des verres. Mais pour les rendre plus résistants, une invention unique au monde a fait le succès de cette maison. Sortie du four à 1600 degrés, la température des verres est abaissée à 600. Puis c'est le choc thermique. Ils sont refroidis très rapidement avec de l'air froid à 20 degrés. Cette opération, a priori toute simple, appelée trempe, rend le verre beaucoup plus fort, mais demande un grand savoir-faire. Monsieur Ioannidès doit alors s'en remettre à des ouvriers qui ont accumulé une longue expérience
comme Bruno Chaplin, 33 ans de boîte. Malgré toute sa dextérité, le processus est toujours aussi difficile à maîtriser. À chaque changement de produit à fabriquer, il tâtonne pendant de longues heures pour régler finement sa machine. Ah, encore un peu, encore un peu, remonte-le encore un peu. Hop, hop, c'est bon. Avec son équipe, il vit un gros stress. Il n'a que 4 heures pour installer les nouveaux moules et effectuer les ajustements nécessaires pour sortir des verres sans défaut. Encore un peu, remonte-le encore un peu. Donc là, les articles, je vois qu'ils ne sont pas formés, ne pressent pas assez vite. Donc, augmenter mon pressage. Et Bruno doit faire vite, car pendant les réglages, des milliers de verres mal formés sont jetés à la poubelle. Vite, là, vous n'avez pas trop de temps. Donc là, ouais, faut aller vite. Après avoir serré des centaines de boulons, soulagement, la production est enfin lancée. Mais avant de quitter la ligne de production, il nous faut élucider la fameuse question que nous nous sommes tous posée un jour. Devant notre caméra, au beau milieu de l'usine, Bruno va nous révéler le mystère des verres Duralex. Au fond des verres, il y a un numéro. Ça sert à quoi ce numéro? Ça donne l'âge vraiment de la personne qui boit dedans ou... Le numéro, oui, effectivement, on a tous regardé l'âge qu'on avait quand on était à l'école, à la cantine. Là, je me rajeunis, j'ai 32 ans. En fait, ces numéros correspondent à chaque moule. Il suffit de regarder le numéro et ça nous donne le matériel à changer sur la machine. C'est, ça sert uniquement à ça. Vous avez cassé le mythe. Et ça va jusqu'à 50. Ce numéro ne sert donc qu'à identifier le moule responsable d'un défaut sur le verre. Mais le principal argument de vente de la marque, c'est sa robustesse, qu'il nous reste à vérifier. Ce laboratoire indépendant teste la conformité aux normes européennes de plus de 1500 objets du quotidien. Nous leur avons apporté des verres de marques différentes. Alors je vous ai amené des verres pour tester la résistance. Ici, il y a des verres chinois, turcs et bien sûr nos verres made in France. Tous sont dans la même gamme de prix. Alors là, les verres semblent tous, en tout cas d'un aspect semblable. Exactement. Par exemple, si on prend ces deux verres, on peut remarquer que les formes sont très similaires. L'épaisseur à vue d'œil a l'air comparable. Et aucun défaut visuel n'est constaté lorsqu'on les examine. Un consommateur lambda ne peut pas savoir quel est le plus solide ou pas, là. Non, juste à l'observation visuelle, comme ça, on ne peut pas le déterminer. On voit rien. Non, d'accord. Le test s'effectue à l'aide d'un pendule au bout duquel est fixé un marteau. Ainsi, on peut déterminer précisément le point de rupture du verre. On va progressivement augmenter l'angle du pendule jusqu'à ce que le verre se brise. D'accord. Le premier verre placé sur l'échafaud est le verre chinois. Hauteur de chute simulée, 26 cm. Il se brise au premier essai. Donc ça veut dire qu'en résistance maximale, c'est inférieur à la hauteur d'une table à manger. Deuxième test avec les verres turcs. 80 cm de hauteur. Un mètre 10 pour ces verres de couleur. Testons maintenant le verre français. D'emblée, nous le soumettons à une chute plus importante que les précédents. 1 mètre 20. Le verre saute, rebondit plusieurs fois, mais ne casse pas. C'est du solide. Très solide. Nouveau test. Cette fois, le scientifique pousse le pendule jusqu'à son maximum. Hauteur de chute simulée, 1,50 m. Et malgré son acharnement, le verre va résister. «
solide, tu vois. Et pourtant, malgré cette robustesse, ce petit verre français a bien failli disparaître. Difficultés dans l'entreprise Duralex qui a subi une forte chute de ses ventes. Ce fabricant célèbre pour ses verres résistants au choc est placé aujourd'hui en redressement judiciaire. 2008, c'est la douche froide. Duralex est au bord du gouffre. Les employés ne sont plus payés depuis plusieurs mois. Qu'ils annoncent quelque chose, en négatif ou en positif, mais qu'ils annoncent quelque chose. C'est le point d'orgue d'une longue traversée du désert pour l'entreprise. Les ennuis ont commencé en 1997. Début de la mondialisation, des verres étrangers moins chers arrivent sur le marché. Les ventes ralentissent. Le groupe Saint-Gobain, créateur de la marque, décide de se séparer de cette vaisselle de table, marginale dans son activité. Pendant 10 ans, Duralex passe de repreneur en repreneur et accumule les plans de licenciement. D'abord un groupe italien met la marque en sommeil, puis un homme d'affaires turc, Sinan Solmaz, par sa gestion opaque, mènera l'entreprise au dépôt de bilan. Mais le ciel semble s'éclaircir au-dessus de Duralex. Un petit groupe d'hommes d'affaires a compris tout l'intérêt qu'il y avait à donner une nouvelle vie à cette pépite. Au tribunal de commerce, il rachète l'usine, mais pas les dettes. Aux côtés de ses nouveaux associés français, Shafik Boulos relance la marque en misant tout sur l'international. C'est une série de palettes qui va en République tchèque. Là, nous sommes sur des palettes prévues pour un conteneur qui part en Russie. Là, pour continuer sur ce tour du monde, on part à Singapour, carrément à l'autre bout du monde, donc voilà. Depuis la reprise, la boîte renoue avec les bénéfices, 3 millions d'euros en 2013. Et pourtant, Duralex ne doit pas désarmer. Aux quatre coins de la planète, elle doit faire face à des concurrents à bas coût et parfois sans scrupules. En Afghanistan, Zahir Meskiniar, le plus gros client de Duralex, est l'une des premières victimes de ces versions low cost. En ce moment, c'est un Iranien deux fois moins cher qui lui fait du mal en jouant la confusion avec la célèbre marque française. Regarde sur le carton, tout est pareil. Et comme ici les gens ne savent pas lire, ils voient du bleu comme sur les cartons Duralex, donc ils pensent que c'est du vrai. Et effectivement, l'emballage est trompeur. Et en plus, regarde ce qu'ils écrivent dessus. Drolex, Moralex, Drilex, c'est n'importe quoi. De la contrefaçon pure et simple. Aujourd'hui, ces contrefaçons difficiles à faire interdire sont un peu la rançon du nouveau succès de Duralex dans le monde. Mais chez nous, la marque fait face à un autre problème. Elle doit séduire à nouveau. Car si sur les tables étrangères, le côté tradition franchouillarde des verres Duralex fait un malheur, en France jusqu'à très récemment, la marque était plutôt ringarde. Mais une fois de plus, ces petits verres très résistants ont su rebondir, en profitant du retour de la mode vintage. On les appelle bourgeois bohèmes ou bien bobos pour les intimes. Ils sont une nouvelle classe après les bourges et les prolos. Dans le 11e arrondissement de Paris, l'un des quartiers branchés de la capitale, la boutique Merci. Ici, c'est le temple des bobos. Les verres de Shafik, le directeur marketing de Duralex, y sont référencés depuis 5 ans. On a fait rentrer parce qu'on les avait pas les grands, parce qu'on avait la demande des grands. Et en fait, c'est très sympa pour les long drinks, etc. Voilà, ici, les verres Duralex, vendus 4,90€ les 6, sont un peu des intrus. Dans cette boutique, il y a par exemple cette table rétro à 4 430€. Ce lustre à 2 180€, mais le patron des lieux assume totalement. Et le style, ça n'a rien à voir avec le prix. Vous pouvez être très stylé avec un petit t-shirt blanc, s'il est bien coupé, et qui vaut 3 francs 6 sous. Ou vous pouvez ressembler à n'importe quoi avec une veste de designer si elle est mal taillée. C'est pareil avec un verre. Pour moi, il y a plus de style avec un gobelet bien ficelé qu'avec un verre de créateur avec des pompons qui ne va pas nous exciter. Seule une clientèle très branchée se déplace dans ce genre de lieu.
Chafik le sait très bien. Mais en réalité, ce n'est pas le volume qu'il recherche ici, mais la visibilité. Les principaux acteurs de ce domaine des arts de la table gardent un œil sur ce qui se passe en termes de style et de changement de design dans ces boutiques-là. Et bien sûr que ça nous génère indirectement des ventes. Être à la mode a même permis à Duralex de retrouver une place dans les rayons de la grande distribution. En 4 ans, les ventes en hypermarché ont été multipliées par 3. Mais comme ils sont malgré tout un peu plus chers que la concurrence avec le coût du travail en France, pour séduire les acheteurs, la marque doit jouer en permanence la carte de l'innovation. Au siège près d'Orléans, réunion marketing au sommet. Duralex est à la recherche d'une nouvelle star polyvalente, un produit qui peut plaire à la fois aux Français et au reste du monde. Chafik et son équipe pensent avoir trouvé une bonne piste. Voilà, donc sur le prototype, on le voit, la première démarcation va permettre de stabiliser la tasse 9 centilitres. Un prototype de soucoupe encore en plastique blanc va pouvoir permettre de stabiliser la tasse 22 centilitres. Mmh. Capable de soutenir une grosse tasse destinée à l'export et en même temps une petite tasse à café pour Bobo parisien. Parfait. Alors ça, c'est plus sur des marchés un peu plus latins. Et puis ça, on s'oriente plus sur des marchés un peu plus nordiques. Après, si on veut attaquer les marchés anglo-saxons, c'est encore avec une taille un peu plus grande. Même philosophie pour les plats à four. Il y a le petit pour satisfaire la ménagère occidentale. Et un XXL ovale pour séduire les familles nombreuses des pays émergents. Des pays choyés par la marque, la solidité du Duralex y est largement appréciée. Et c'est en Égypte, au Caire, que nous retrouvons Chafik dans les embouteillages de la mégalopole. Le marchand de vaisselle, qui parle couramment l'arabe, a prévu de tester ici les ventes de ses plats. C'est un marché qui fait un peu plus de 80 millions d'habitants. Dont une grande majorité de la population est considérée comme jeune, ce qui veut dire des ménages et des futurs clients qui s'installent. Donc bien évidemment que c'est un marché intéressant pour implanter une nouveauté comme le plat au four. Pour savoir si ses premiers clients accrochent, il a demandé à son grossiste de mettre les plats en vente dans un grand souk de la ville. L'opération a commencé il y a tout juste une semaine. Il va connaître le résultat dans quelques instants. Il a pris les rectangulaires et pas les plats ovales ? Si, si, il a pris les deux. Première surprise, Chafik ne trouve pas son plat ovale sur lequel il mise beaucoup ici. Un peu énervé, il interroge directement le vendeur. L'ovale, il est où ? On vient de vendre le dernier. Ah, tu as tout épuisé ? Oui, juste avant que tu n'arrives. Parfait, parfait. De très bon augure pour Chafik. S'il est loin derrière le leader du marché, Pyrex, lui aussi made in France, il a un gros avantage sur lui. Les plats du Duralex sont beaucoup plus grands. D'après toi, même si c'est encore prématuré, selon ta première expérience, le produit se comporte-t-il bien par rapport aux autres plats français ? Le plat du Duralex ovale va vraiment bien se vendre ici. Tu vas peut-être même dépasser Pyrex. Ah bon, c'est comme ça que tu vois les choses ? Oui, oui. Et pourquoi ? Parce que ces dimensions-là ne sont pas présentes chez ton concurrent Pyrex. Un peu grisé, Chafik va même jouer un coup de poker pour son rendez-vous suivant en Égypte. Alors, quel est ton sentiment ? Si tout ce qu'il dit est vrai, ça s'annonce plutôt bien. Il est carrément attendu dans un hypermarché Carrefour. Ici, l'ambiance est plutôt occidentale. Dans ce magasin, ses verres les plus célèbres ne sont même pas encore en rayon. Chafik espère bien y faire une entrée fracassante avec ses plats à four. On voit nos concurrents, bien évidemment. Donc on voit nos concurrents. L'idée serait de se faire une place et de faire déborder pour pousser les concurrents. Il a l'air sûr de lui. Mais avant de pousser dehors ses concurrents avec ses plats à four, c'est de la bonne qualité. De la très bonne qualité.
il va devoir convaincre le directeur des achats de Carrefour Égypte et toute son équipe. Et d'entrée, malgré la notoriété de sa marque, le représentant de Duralex va être mis sous pression. Moi, je ne sais pas où trouver les produits Duralex en Égypte. Ouais, où on peut les trouver, vos produits? Dites-moi où ils sont vendus et je ferai mon enquête après. Le ton est donné. Mais Shafik ne se laisse pas démonter. En face de lui, l'homme représente 9 hypermarchés dans le pays et un potentiel de commandes de 500 000 euros par an. Alors il joue à fond la carte de l'originalité. On devait trouver quelque chose de différent des autres. Nous ne pouvions pas venir avec des prix presque identiques et concurrencer des marques qui sont déjà là depuis 20 ou 25 ans sans avoir quelque chose en plus. Donc nous avons pensé à la taille et à la grande profondeur. Et je pense que Mme Chérine, qui sans doute cuisine, sera d'accord qu'un plat plus profond est mieux pour cuisiner. La nourriture n'éclabousse pas dans le four. Il pensait trouver une alliée avec Chérine, l'adjointe du directeur, la seule femme présente dans la pièce. Mais en réponse, elle va tresser des lauriers à son concurrent. Luminarque a déjà lancé aussi son plat en verre. Fait à Dubaï. Mais leurs produits sont innovants, avec un design pas comme celui-là, mais un vrai design. Avec des lignes. Avec un décor, c'est très joli. On les a déjà testés, ils se sont très bien vendus. Mais d'après ce que l'on a vu en comparant les produits, la qualité est loin de ce que l'on pourrait attendre d'un produit français. Ils sont encore très bas sur la qualité. Oui, mais écoute, il y a deux choses importantes. Il y a la qualité, bien sûr, mais il y a aussi le prix. Pour se lancer sur ce nouveau créneau, Shafik est prêt à faire bien des concessions. Si vous devez insérer nos produits lors d'une grosse promotion et que vous pouvez nous garantir une grosse quantité, on pourra discuter, ce qui est normal, des efforts commerciaux que nous serions prêts à consentir pour lancer notre nouveau produit. Finalement, l'affaire semble bien engagée. La petite marque française que l'on croyait morte il n'y a pas si longtemps n'en finit pas d'explorer de nouveaux territoires. Après la conquête du Moyen-Orient, le nouvel horizon 2015 sera l'Amérique du Sud.